Les Franciscains qui ont tout de même brillé pour un parcours inédit en Coupe de France. Tout d'abord, une qualification pour le 8e tour en battant 3-2 l'US Riveraines. Puis un 7e tour dominé de la tête et des épaules face à la Samaritaine, 2-0. Puis enfin, on se souvient tous de ce 32e de finale joué en Guyane face à l'équipe de Sinnamary, où les Franciscains s'imposent au pénalty après un match serré. Des Franciscains qui clôturent donc leur 18e participation en Coupe de France par un 16e de finale face au SCO d'Angers sous les honneurs. Le SCO d'Angers fait partie du cercle fermé des clubs français centenaires. L'histoire médiévale d'Angers, ville située à l'ouest de l'Hexagone, s'associe parfaitement au long parcours de son équipe de foot. Raymond Coppa, un des meilleurs joueurs de l'équipe de France dans les années 50, a débuté au Sporting Club. Le stade porte désormais son nom. Depuis 2015, le SCO a retrouvé la Ligue 1. Les Noirs et Blancs sont actuellement 9e du championnat. C'est une équipe qui, de saison en saison, progresse techniquement, sur la qualité de son jeu, et donc qui devient de plus en plus difficile à jouer. Ça veut dire que cette équipe, elle est capable de faire des joues l'adversaire, mais elle est aussi capable, si on lui laisse l'opportunité, de prendre le jeu à son compte. Ça devient une équipe, comme on dit, un peu poil à gratter. Depuis 2011, Stéphane Moulin est aux commandes du SCO d'Angers. Avec 400 matchs au compteur, le tacticien affiche actuellement la plus grande longévité parmi tous les entraîneurs des 5 grands championnats européens. C'est la première fois que sa formation affronte une équipe martiniquaise. Entre Angers et le club franciscain, 5 divisions d'écart. Je trouve que c'est un football très dynamique, avec beaucoup de qualité technique. Voilà, c'est un football enthousiaste, je trouve. Et voilà, je sais qu'ils vont venir pour jouer eux aussi la qualification. Ils ne se posent pas de questions, ils croient en eux, ils ont beaucoup de confiance. Et ils ont l'air de bien se préparer. L'attaquant Loïs Diony, originaire du Lorrain, a rejoint Angers à l'intersaison en provenance de Saint-Étienne. Le Martiniquais, auteur de 4 buts, aborde ce 16e de finale avec sérieux et avec une certaine émotion. C'est un honneur de rencontrer une équipe de son pays d'origine. Ils font chaque année un beau parcours en Coupe de France. Donc on voit leur niveau qui est très très régulier. Et bon, je l'ai dit hier, dommage qu'il n'y ait pas les supporters martiniquais pour mettre de l'ambiance dans le stade, parce qu'on sait que c'est une belle fête à chaque tour de Coupe de France. Le SCO d'Angers a joué 2 finales de Coupe de France, en 1957 et en 2017. En 2017, face au Paris Saint-Germain, les Noirs et Blancs se sont inclinés 1-0. Quoi qu'il en soit, cette épopée restera gravée dans toutes les têtes des supporters angevins, qui ont montré un soutien grandissant au fur et à mesure que l'équipe de Stéphane Moulin passait les tours. Les Verts et Noirs travaillent leur stratégie pour venir à bout du SCO d'Angers, leur adversaire de Ligue 1. Pour Patrick Cavelan, l'entraîneur, l'effectif jouera sur ses forces pour l'emporter. Notre collectif, c'est notre meilleure arme. La qualité première, c'est la solidarité, le don de soi et mettre tous les ingrédients qu'il faut pour pouvoir contrarier au maximum cette équipe. L'objectif, créer des automatismes et permettre au coach de finaliser ses choix sur l'équipe qui sera titularisée dimanche. Ça ne va pas être facile, mais en tout cas dites-vous bien que ce sont des joueurs qui sont toujours motivés pour affronter plus fort qu'eux, pour voir à peu près leur niveau. Parce qu'en Martinique, quand même, ça fait 5 niveaux de différence entre la Ligue 1 et la R1. Durant les oppositions, c'est l'attaquant Johnny Marajo qui s'est illustré en inscrivant un pénalty. Pour le Martiniquais, il faudra rester concentré 90 minutes pour espérer faire douter leur adversaire. Quelle stratégie on met en place contre un club de Ligue 1 ? Je ne sais pas, il faut demander au coach. Vous regardez Club Franciscain TV, la web TV officielle du Club Franciscain.
arrivé dans les vraiment les derniers instants avant la rencontre. Bon, alors bien sûr, tu l'as dit, tu seras dans ton poste de télé pour suivre le club franciscain, bien évidemment. C'est quoi leur force principale? C'est leur milieu de terrain, peut-être? Ben, à ce niveau-là, au niveau de la Martinique, on va dire que le club franciscain compte énormément d'individualités. Donc, pour eux, la redondance des matchs de championnat fait qu'ils vont gagner une fois, qu'ils vont en perdre un, qu'ils vont faire des matchs nuls. Quand ils sont à l'extérieur, en plus des individus qu'il y a, tels qu'Abol, tels que Cavlan, tels que Marajo, pour ceux que je connais, il y a un petit Brésilien, il y a Timon, il y a... On peut tous les citer, quoi, c'est le 11, quoi. C'est vrai que c'est une génération complètement différente, mais c'est vrai que quand on les suit, on voit que depuis des années, ils sont là et qu'il y a une très belle équipe, il y a de très belles individualités. Et à partir de là, pour qu'ils y arrivent, ils se mettent systématiquement en mode collectif. Monsieur Cavlan, il sait le faire. Donc on voit l'équipe jouer, on les a vus jouer en Martinique, même en Guyane, même quand les choses sont difficiles, ils savent mettre le bleu de chauffe. Et là, tout le monde défend. Donc à partir de là, si avec les individualités, on sait faire les efforts les uns pour les autres, cela devient plus facile. Donc à partir de là, ils l'ont compris depuis bien longtemps, parce que gagner dans la Caraïbe et passer autant de tours en Coupe de France chaque année, c'est vrai que c'est une belle équipe. Vous regardez Club Franciscain TV, la web TV officielle du Club Franciscain, désormais qualifié pour les 16e de finale de la Coupe de France. Avec nos confrères de Club Franciscain TV. Club Franciscain TV, la web TV officielle du Club Franciscain, le club le plus titré de la Martinique. Vous écoutez RMC. Oui, la Coupe de France, on s'intéresse ce matin au dernier représentant des Outre-mer, la Martinique, le club franciscain. Le club franciscain en Martinique, totalement, Stéphane. Basé dans la commune de Lefrançois, en Martinique, en Outre-mer. C'est le dernier représentant, tu le disais. Alors d'habitude, quand les joueurs d'Outre-mer viennent en métropole, ils en profitent pour voir leur famille, pour visiter Paris. Mais cette fois, c'est impossible parce que ils affrontent Angers à 18h30 au stade Jean-Bouin. Mais ça fait 10 jours qu'ils sont à l'isolement total à Clairefontaine, protocole sanitaire oblige. Oui. Pas évident cette coupure, cet isolement, mais on veut croire à l'exploit pour le président Éric Littorier. Il n'y a pas de, si vous voulez, de montagne insurmontable. Normalement, on peut faire quelque chose. Le peu de chance que nous avons, nous allons l'utiliser à fond pour voir si nous pouvons revenir avec la victoire. Bien que je sais que nous avons, ça ne reste qu'un millième de centième de chance. Mais non, il faut y croire, face à Angers, oui, c'est un club de Ligue 1. En tout cas, ça serait une belle histoire. Et puis au retour en Martinique, ils vont devoir s'isoler à nouveau 7 jours. C'est quand même compliqué, tout ce protocole, évidemment. Voilà, Jodia, c'est prendre pile plaisir. Voilà, jouer simplement, jouer yon poulot. Et puis après, résultat, c'est résultat. Jodia, ça, l'opportunité, pourquoi pas l'en état. C'est vrai que l'Allemagne, il y a de bizarre. Mais savent que pas ni prolongation, c'est directement tir au but, donc Maradzot, pourquoi pas rester solidaire, pas l'adjet, et puis si vous avez l'opportunité de matcher, il faut que vous matchiez. En tout cas, bon match les gars, moi qui ai douvanté les mains, et puis Maradzot, à bientôt. Représenter pays surtout, force. On nous voit les gars, pas l'adjet. C'est ma petite coéquipe. Allez les gars, force et puis courage, je veux dire, ça force. Thank you.
les hommes à moitié de leur jeudi. À moitié de leur jeudi, je vais prendre un peu de temps pour le bac. Je vais être en revue. Allez, je vais être en chaque moment qu'il y a des périodes. Chaque moment qu'on fasse les vies. Parce que c'est ensemble nous qui arrivons jeudi. La seule différence qu'il y a entre eux et nous, c'est l'argent. C'est tout. C'est tout. C'est les épargnes qui sont nous, c'est aussi. Les épargnes, il n'y a rien d'autre que nous à part l'argent. Ça reste des humains. Ça, ils peuvent s'appuyer en régie, ce qu'ils veulent. Mais ça reste des humains, les gars. Donc c'est en faisant corps. C'est la solidarité qui prime dans ces compétitions-là. C'est que ça, le match qui se limite. Donc on fait ensemble, les gars. Ensemble. Sortant de mon place, le Belgique Titi, il est ensemble, les hommes. Il y a des déçus, c'est sûr. Charlie, les gars. Oui, Charlie. Il va considérer Charlie comme la santé des gars. Donc, les gars, je dis hier, les gars, on a fait ensemble. C'est le seul mot. Et c'est comme ça qu'on va gagner ce match-là. Quand je n'ai pas dit une fois victoire, les gars, la victoire aujourd'hui, sans regret, on a fait ensemble, les hommes. Donc, à vie, dit, c'est ça pour dire, mais il n'y a pas, c'est quoi, mon dame, mon dis-moi. Pas peur, pas garder ça. C'est comme ça, nous, il faut être vrai aujourd'hui, les gars. Vrai. Vrai. Qui sommes-nous? Champions. Qui sommes-nous? Champions. On va nous garder quoi, les gars. Merci. Le club franciscain n'aura pas fait le poids face au SCO d'Angers. 5-0, c'est le score final de cette rencontre. Nous reviendrons en détail sur cette 16e finale de Coupe de France. Le club franciscain s'est incliné face au SCO d'Angers, 5-0. Une rencontre qui aura été suivie par de nombreux supporters franciscains. Ils espéraient jusqu'au bout une victoire de leur club favori, William Zébina, Marc-François Calmeau. Dès le coup d'envoi du 16e de finale de la Coupe de France, les supporters sont chauds. Ils envoient de l'énergie au club franciscain à 8000 km qui affronte Angers. Un premier frisson traverse la salle des fêtes du François quand Loïc Chauvet réalise une superbe parade. À la 31e, les visages se crispent après l'ouverture du score d'Angers. J'y crois toujours, il faut toujours attendre 90 minutes, on ne sait jamais. Il reste pas mal de minutes de jeu. Donc si le club français n'arrive pas à remonter, ce serait une bonne chose pour nous. Alors non, il n'y a pas de faute, ce sont deux joueurs. Attention, attention, là, carton. Attention. L'expulsion de Lepel à la 36e rajoute du stress. Tous croient à l'égalisation sur un coup franc qui frôle la lucarne. L'espoir renaît. Attention à ce tir. Un deuxième but angevin casse l'ambiance avant la mi-temps. J'y crois parce que mon pronostic c'était 2-1. Là on mène 2-0. Enfin ils mènent sur nous. Donc on espère rebondir pour la deuxième mi-temps. On est à 10 contre une équipe professionnelle. Ça ne va pas être très facile. Mais on va essayer au moins de marquer un but. Prennent des risques les joueurs du club franciscain. Au retour des vestiaires, les angevins creusent l'écart. 3, 4, puis 5-0. Certains ne peuvent retenir leurs larmes, d'autres se réconfortent dans les bras de Morphée. Franchement, je pensais qu'on aurait pu faire mieux. Ils se sont donnés, les joueurs. Hein. Je vois, mais c'est difficile. Je suis vraiment triste, mais je les félicite. Arriver en 16e de finale de la Coupe de France, c'est quand même très difficile. Donc, big force Bayo et Bichébi Red. Les supporters attendent le retour des héros qui resteront les premiers Martiniquais à participer à un 16e de finale de la Coupe de France. Ce match de 16e de finale de Coupe de France, avec vous Christophe, bonsoir. Nous allons revivre les temps forts de cette rencontre. Oui, tout à fait. D'abord, les franciscains, malheureusement, n'ont pas réussi l'exploit de se qualifier pour les huitièmes de finale. Ils se sont inclinés face au SCO d'Angers 5-0. Si le score est lourd, on va pas se mentir, la prestation des Verts et Noirs reste très méritante. Résumé d'une rencontre avec nos images. 30 premières minutes d'espoir où le club franciscain est à armes égales avec le SCO d'Angers, pourtant à 5 divisions au-dessus, à l'image de cet arrêt sublime de Loïc Chauvet face à Pareil à l'Edge, ou encore de la couverture de Gérald Dondon, magistrale ce soir.
Mais voilà, la pression angevine est soutenue. Fulghini et Baoken portent le danger sur le but franciscain. Jusqu'à la 31e minute, où Angelo Fulghini trouve la faille et ouvre le score 1-0 pour Angers. Mais on est loin de la panique pour le collectif vérinois. Sauf que 5 minutes plus tard, c'est le drame. Une faute de Sébastien Lepel est sanctionnée directement par l'arbitre de la soirée d'un carton rouge direct. Rouge, c'est carton rouge. Une situation compliquée à gérer pour un club franciscain qui se retrouve à 10 face à des Angevins décomplexés et qui s'offre un second but une minute avant la mi-temps grâce à Ibrahim Amadou. En seconde période, l'espoir laisse la place à une cruelle réalité. Le SCO d'Angers, en supériorité numérique, qui mène au tableau d'affichage, peut alors dérouler et inscrire 3 buts supplémentaires par Baoken, Fatah et Amadou, qui s'offrent un doublé. Score final, 5-0 en faveur du SCO d'Angers, qui s'impose logiquement dans ce 16e de finale de Coupe de France, face à des franciscains méritants, qui auront encore beaucoup à apprendre. Avec cette équipe du club franciscain qui sera battue jusqu'au bout, qui croyait au début, il y a eu beaucoup de cohésion. Et il y a eu une belle première demi-heure. Attention, cette contre-attaque, tu peux donner quelque chose avec Dinaël Mégé. Dinaël Mégé qui s'en va en plein de son jambé, qui a voulu, il a voulu remettre aussi au Marajo, mais l'intervention encore une fois du défenseur angevin est de toute beauté. J'avoue que pour l'instant, l'équipe franciscaine est séduisante. Hein. Regardez bien les lignes, on est en place, et on a un milieu de terrain archi renforcé. Et pour l'instant, ce qui manque un petit peu, c'est voilà, c'est la portée vers l'attaque. Match replay. Donc il faut rester en place avec une frappe, belle intervention encore une fois de Chauvet. Chauvet qui est bien. Vous savez, c'est comme les plages du diamant. Quand il y a les grosses vagues du diamant, si on va faire quoi baisser, on va débasser, on va arriver après. Mais voilà, voilà. Il y aura des vagues comme ça tout le temps, Mais ça ne nous empêche pas de nous baigner au diamant. Eh bien, ça ne nous empêche pas de jouer là. Et pourquoi pas de prendre du plaisir et de fournir un beau spectacle. Attention à cette action. Oh là là, ça passe à côté. Oh mon Dieu, on a eu peur encore une fois. Avec cette frappe, ce sera un corner. Ça a été détourné au passage. Pardon, le score toujours 0-0 avec ce corner. Pas sur cette action, s'il vous plaît. Que la balle est au-dessus, re-corner. Et on change de côté. On change de côté. Oh là 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 là. Sur le corner, la petite balle brossée de la tête aurait pu inquiéter Chauvet. Ah, vous voyez comment il s'est fait remarquer depuis le début là, hein, Loïc. C'est important d'avoir un gardien comme ça derrière, hein. C'est la sécurité sociale ça. Il rassure, exactement, il rassure. Attention à cette attaque, pas de problème, Loïc Chauvet est bien présent. Une nouvelle balle repoussée, on a franchi la médiane de nouveau. On a remis en profondeur avec ce contrôle et l'intervention de Chauvet. Ouh là, la chose importante aussi Samuel, dans ce contexte là, il faut parvenir à faire douter les professionnels. Et c'est ce qu'ils font quand même, parce que défensivement, là, ils montrent qu'ils sont archi présents, les franciscains. Ils sont très présents, athlétiques, et le milieu de terrain est bon également. Et puis, il faut porter l'attaque devant, il faut aller mieux distribuer la balle devant, ce qui est moins évident. Mais pour l'instant, l'équipe d'Angers doute, hein. On le voit bien, elle a changé le jeu, elle a accéléré le rythme. La balle, effectivement, circule d'un côté à l'autre, de manière latérale. Pour essayer de désorganiser la défense franciscaine, mais pour l'instant elle tient. Et vous parliez de sortir les coups, mais c'est comme ça qu'il faut le faire justement. Il faut aller attaquer ces ballons, mettre en difficulté les joueurs angevins, et c'est ce que les franciscains essaient de faire. C'est pas évident, on le disait tout à l'heure, mais n'empêche que pour l'instant ils résistent. Ce n'est pas évident face à cette attaque angevine, hein, qui se multiplie, ces attaques qui se multiplient d'un côté comme de l'autre, mais derrière, eh bien, il y a un club qui tient, voilà, avec Farajo qui repart là. Ça aurait pu être bien, mais là encore, il est un peu isolé. Mais il faut jouer, il faut laisser son inspiration partir. C'est ce qu'a fait à l'instant Marajo, comme l'a fait Yann Timon tout à l'heure. Bien sûr, ça ne réussit pas à tous les coups. C'est vrai qu'on a en face de la qualité et du professionnalisme, ça c'est clair. Mais les Martiniquais ne sont pas des lieux de qualité et de potentiel. Attention à cette action! Oh là là, ça passe à côté! Oh mon Dieu, on a eu peur encore une fois!
J'avoue que pour l'instant, l'équipe franciscaine est séduisante. Hein. Regardez bien les lignes. On est en place. On est en place. Et on a un milieu de terrain archi renforcé. Et pour l'instant, ce qui manque un petit peu, c'est, voilà, c'est la portée vers l'attaque. Mais ils vont attendre le moment pour le faire. Parce que c'est pas évident derrière. Angers a une très bonne défense. Regardez comme ils sont organisés. Et franciscaine doit avoir résisté. Résister derrière. Et ensuite se porter vers l'avant. Ce qui n'est pas évident. Mais ils vont le faire. Je les sens bien en tout cas. Le ballon va revenir. Je vous l'ai dit, ce sera ça, ce sera attaque défense. C'est fort à l'amour. C'est fort à l'amour. Vous voyez, ils vont attaquer à tout dernier. C'est à la formation franciscaine de faire le nécessaire pour éviter le piège, pour éviter le pire. Vous êtes dans le Digac intégral. Match replay. C'est là-bas Bobichou, hein, celui-là qui est partout. Avec un centre, une tête. Oh nom de Dieu! Oh ce but! Ce ballon au but de la tête! Et le but angevin sur ce coup-là, non loin de la poche de la mi-temps! Et puis ensuite, au moment où la partie bascule sans doute. Ah ouais, il y a encore un carton là. Oh là là! Ça, oh c'est pas vrai! Oh non! Là, oh dur. Non, sur ce coup-là, un carton rouge. C'est très dur. Un carton rouge donné à Sébastien Lepel. L'arbitre n'a pas apprécié correctement. Non, là, mais attendez. Qui a faute de Sébastien Lepel? Je veux bien, mais de là à donner un carton rouge, c'est un peu excessif, un carton rouge direct. C'est peut-être un peu excessif. On ne peut être qu'aux riches, on est bien d'accord. Sur ce coup-là, on sent bien que l'arbitre sait qu'il y a des professionnels face à des amateurs. On protège les professionnels, ok? Bon, ça vous casse le moral, là. Match replay. Ils sont 4 en défense, 4 en milieu de terrain et un seul attaquant de pointe parce qu'ils ne peuvent pas forcément faire différemment. Attention, il y a faute là sur Johnny Marajou. Johnny Marajou qui essaye d'embêter ses défenseurs. Il a réussi quelques bons dribbles depuis le début de la rencontre, mais ça ne suffit pas parce qu'il faut dire que pour l'instant, Butel, le portier angevin, passe une soirée assez tranquille. Pas suffisamment alerté. Ballon de nouveau. Pour qui là-bas? C'est Jougon. Jougon qui a changé de côté. Et il a trouvé Annette. Annette, à l'autre côté, il faut le sens. Il faut s'appliquer. Il faut s'appliquer. Ne pas envoyer n'importe ce genre de ballon avec Johnny Marajou. Johnny Marajou, entre deux joueurs, entre trois joueurs, il bénéficie d'une faute. Il en est tout avec Gabor Yann Dimon avec ce coup franc qui arrive à la 43e minute au bénéfice de cette formation franciscaine. Yann Dimon. C'est passé tout près. Je vous dis que c'est passé tout près. C'est passé tout près. Oh là 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 là. Le ballon qui a flotté. Ça a dû croyer l'angle bien regardé par Butel. On y a cru à un moment donné. Mais c'était pas cadré. C'était pas cadré. Et il s'en veut, hein, parce qu'il se dit, waouh, j'aurais dû mettre ça. Bon, ok, mais c'est que les parties, ce n'est que partie remise. Il va trouver la bonne frappe la prochaine fois. Yann Dimon, une minute de temps supplémentaire, une petite minute. Ça fait 45. On va jouer une petite minute avant la fin. Il ne faut pas laisser cette action aller. Avec cette frappe. Oh là là, diable d'Amadou. C'est Amadou, Ibrahim Amadou. Ibrahim Amadou qui nous fait cette frappe. Oh là 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 là. Alors là, ça fait mal parce que ça arrive à l'approche de la mi-temps. Comprenez? Voilà, regardez. C'est la mi-temps. L'arbitre cible. On a un petit peu allégé le milieu de terrain pour renforcer l'attaque et renforcer également la défense. Donc on a fait le choix effectivement de se libérer un petit peu au niveau du milieu de terrain pour mieux porter les attaques. C'est une manière de se libérer, une manière de se dire eh bien que voilà, on joue le tout pour le tout, on va se faire plaisir et puis on va essayer de marquer au moins le petit but. Ben ouais. Le petit but que tous les Martiniquais attendent. Ça fera du bien, ça fera du bien. Match replay. Yann Dimon. Il faut dégager ce genre de balle. C'est quoi? Mais c'est quoi cette perte de balle, Yann, sur ce coup-là? Oh! Il fallait dégager le ballon et le troisième but. Le troisième but d'Angers sur ce coup-là, mais non! Et il a manqué de lucidité sur ce coup-là, Yann. Cette balle, il fallait dégager. Il donne le ballon latéralement. Et le ballon qui va passer par le centre alors qu'il y a plein de joueurs d'Angers. Et c'est là qu'on voit la différence entre les pros et puis les amateurs. Vous êtes dans le Digac intégral. Match replay.
ce quatrième but, c'est pas comme le premier but encaissé. Là, on le sait, les franciscains, on l'a dit, n'a plus. C'est Amadou encore qui nous fait ça. C'est ça. Même Amadou, auteur du deuxième but, qui nous en sort un quatrième. On en parlait avant le match avec des dirigeants du foot français. On se disait que c'est dommage que le club franciscain dispute de telles rencontres à un tel niveau et après retombe dans un championnat où effectivement il n'y a pas forcément des équipes de ce calibre. Voilà. Et donc, ce serait important qu'un club comme celui-là eh bien, soit plus souvent confronté à des clubs plus huppés pour lui permettre de maintenir son niveau. D'où la nécessité, vous savez que certains projets dans les tiroirs pensent à cette, déjà qu'on a la coupe, vous savez, le trophée, la coupe vive, ou anciennement appelée Margaillard, ou la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane s'affrontent, mais ça n'arrive que sur une courte période. Match replay. Le juge de ligne n'a pas levé le drapeau, considérant qu'il n'y avait pas en jeu. C'est Annette. Hein. Annette, il est furieux. Il en veut à l'arbitre de touche en lui disant, mais écoutez... Le joueur nous semblait en jeu, alors. Ouais. Ce cinquième but, je ne sais pas. Je ne sais pas. Évidemment, nous ne bénéficions pas d'un ralenti pour le voir. Match replay. Cette équipe franciscaine ne pouvait rien faire. Voilà, les deux coachs. Gérald Dondon. Gérald, on va oublier un instant le résultat. Moi, j'ai le sentiment que vous avez fourni une grande partie. Moi, je vous ai regardé, j'étais fier de votre jeu. Vous aussi, j'espère. Oui, moi et l'équipe, on voulait absolument se faire plaisir, avant tout, parce qu'arriver à ce stade de la compétition, on sait que c'est déjà historique. Donc, on y a cru, moi le premier. Donc j'ai donné le maximum de moi-même et comme je l'ai dit, je voulais bien représenter la Martinique, que ma famille soit fière de moi et voilà. On va oublier le résultat, vous encaissez un premier but, joli but de la tête, mais un petit peu manque de vigilance sur ce coup-là. Et puis le carton rouge qui va tout déstabiliser, on ajoute à ça le deuxième but marqué à l'approche de la mi-temps, ça fait beaucoup d'éléments pour des amateurs face à des pros. C'est clair, hein. Après, comme je l'ai dit, on savait ce qui nous attendait. Avec certains détails allaient nous coûter cher. Et c'est ce qui s'est passé avec le premier but. Une erreur d'attention et on a encaissé un but comme ça. Donc c'est clair que c'était évitable. Maintenant, ça va nous servir. Hein. Ça va nous servir pour la suite. En tout cas, moi, je remercie tout le monde parce qu'on a reçu pas mal de soutien. Et les joueurs, comme je disais, étaient tous concernés. Donc je suis fier des joueurs. On n'a pas démérité. Ça, ce score est lourd. Elle a quand même montré une belle image. Avez-vous pris plaisir à jouer cette rencontre face à une équipe de Ligue 1? Oui, oui. Ah oui, c'était ça l'objectif numéro 1. Prendre du plaisir. Comme je l'ai dit, ce genre de rencontre-là, on va peut-être pas les retrouver. Donc, pour moi, c'était une première et je suis fier. On a accumulé de l'expérience? Oui. Ah oui, beaucoup d'expérience. Et comme je l'ai dit, ça va nous servir pour la suite, surtout pour le reste du championnat. Merci Gérald. Okay, merci. Je vous propose tout d'abord d'écouter les réactions des joueurs au sortir d'un match que tous savaient difficile. La réalité ce soir, ils étaient en place statiquement, techniquement ils étaient meilleurs que nous. Et devant les buts, ils ont pas rigolé avec nous. Donc voilà, c'est leur travail. Nous, on est amateurs, on a un travail à côté, on a le foot pour le plaisir. Donc voilà, on voit la réalité. Tu dirais que le carton rouge, l'exclusion de Le Pel, c'est vraiment le tournant du match? Ben ouais, on va dire ça. Si on avait Sébastien en plus, je pense qu'on n'aurait pas pris tout ça de but. On n'aurait pas déjoué comme ça en deuxième mi-temps aussi. On serait resté en place et essayer de prendre le match de but. Maintenant, on peut qu'être fier de nous pour notre parcours et rentrer au pays. Et voilà, nous reconcentrer sur notre championnat et puis poursuivre ce qui nous reste à jouer. On a fait pas mal d'erreurs, donc... On peut dire aussi que c'est de notre faute parce qu'il y a beaucoup de buts qu'on pouvait éviter. Voilà, après on a été réduit à 10. C'est encore de notre faute. Voilà, il faut gommer ces erreurs-là pour pourquoi pas notre championnat déjà. Puis pourquoi pas l'année prochaine revenir en Coupe de France pour savoir ce qu'on doit améliorer pour passer ce trou. Franchement, je m'attendais pas forcément à ce genre d'équipe. Je pensais qu'ils allaient plus rester derrière et balancer. Je trouvais que c'était une équipe qui essayait de jouer au ballon, de ressortir proprement. Mais je trouve que c'est une bonne équipe et ils ont le mérite d'être arrivés où ils sont, en tout cas. Et avec nous depuis Clairefontaine, l'entraîneur du club franciscain, Patrick Cavelan. Bonsoir, bonjour, bonjour pour nous, bonsoir pour vous. Oui, bonjour, bonjour à tous. Téléspectateurs. Alors, monsieur Cavelan, je voulais vous demander la première question, c'est quel est le moral des troupes? Ça va, je crois que
la défaite est encaissée. C'est vrai qu'il y avait la déception, puisque ça reste un match de foot, même si on savait qu'il y avait 5 divisions d'écart entre nous et le SCO d'Angers. On avait espoir de faire quelque chose. Et le match a tourné court après l'expulsion de Sébastien Lepel. On a été mis en difficulté, on a joué meilleur que nous et le score a été un peu salé. Oui, parce qu'effectivement, les premières minutes du match, les 20 premières minutes, vous leur avez quand même donné du fil à retordre. Oui, c'est ce que me disait M. Moulin, le coach du SCO d'Angers, après le match, me disant que nous étions bien en place et qu'il trouvait sévère la réaction de l'arbitre qui a sorti le rouge direct. Mais après vérification et lorsqu'on voit les images, bon, il n'y avait pas scandale en prenant le rouge. Mais effectivement, cette réduction à 10 nous a fait beaucoup de tort. Maintenant, on va tirer des enseignements peu positifs de toute cette épopée, puisque il ne faut pas oublier qu'il y avait 7368 clubs au départ et nous étions parmi les 32 derniers. Je crois que c'est un exploit à souligner. Et les joueurs, ils le savent maintenant, ils sont fiers de leur parcours. Et on va apprendre justement, on va regarder à nouveau ce match pour travailler pour les semaines analyser, à venir. Analyser, bien sûr. Est-ce qu'il y a des joueurs de votre équipe qui se sont fait remarquer? On sait que quand on va dans des championnats comme ça, c'est aussi un peu le but. Monsieur Moulin, il m'a parlé énormément de Johnny Marajou. Il a un attaquant qu'il a trouvé très bon dans sa mobilité, dans sa manière de jouer. Et puis Stéphane Abol, le capitaine qu'on ne présente plus, c'est le meilleur joueur de l'équipe. Et puis certains jeunes comme Quentin Annette, Tariq Kavlan ont aussi eu des remarques positives sur ce qu'ils ont pu faire. Donc remarquer, oui, maintenant solliciter, c'est une autre chose. Très bien. Une dernière question, vous revenez quand? Vous prenez l'avion quand? Ben, on prend l'avion à 11h45 et on sera en terre martiniquaise à 15h35. Très bien, ben on va forcément vous suivre. Merci beaucoup, Monsieur Kavlan. Je rappelle que vous êtes l'entraîneur du club franciscain. Merci bien. Je vous en prie.